Téléspectateurs de Téléguinée, nous avons côté passé un très bon week-end, nous saluons. Nous comptons rentrer à la CAO aujourd'hui en occasion première sortie dans les WC de stade. Jeudi, c'est lundi 18 décembre 2017. Alors, pourquoi moi avec Capitaine? Comment dit Capitaine? Bonsoir, je vous souhaite une bonne semaine. Bonsoir Inadel, bonne semaine également à vous. Amis sportifs, une belle salutation. Je vous dis bienvenue à la première sortie émission de la WC de stade pour ce maintenant. Qui ça nous parle tout d'abord sous plan local. Enfin, ASC connaît définitivement adversaire pour la grande finale de play-off championnat national de première division. Après victoire, Ricine Football Club de Gonaï 2-0 face à l'association sportive de Mibale dans le stade national Silvio Cator. Et puis le FC Toro de Patrick Bonnefil réalisé samedi 16 décembre 2017 là, dans le parc sportif Thomasin, 6e édition tournoi football dans la catégorie U7, U9, U11, U13, U15, U17. Et puis deux journées de formation en basketball pour 70 jeunes filles et garçons été réalisées par le comité interscolaire de basketball amateur présidé par Emmanuel Bonnefil avec support directeur général police nationale là, Michel-Ange Déon et sous direction instructeur international américain George Quinlan. À l'étranger, n'a fait balade là pour nous parler de différents championnats. Tant qu'on a joué en Angleterre, c'était 18e journée Premier League. Manchester City gagne Tottenham 4 goals à 1. En Espagne, c'était 16e journée Liga et Barcelone, lui-même qui gagne Deportivo 4 goals à 0 pour ton finale 14e édition Mondial des clubs blancs. Real Madrid gagne Grêmio 1 goal à 0 et remporté compétition ça grâce à Cristiano Ronaldo. C'est pour ça que l'autre que nous avons développé pour vous, nous avons marqué la première pause, nous avons tourné après. Téléguinée, dans les vestiaires des stades. Téléguinée, dans toutes vestiaires de tout stade. Interview, raconte, reportage, réaction, résumé match, analyse. Dans les vestiaires des stades, sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69. Nous venons à souhait, nous venons matin. Toute boule, tout côté, petit boule, gros boule. Dans tout vestiaire, dans tout stade, sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69, dans les vestiaires de stade. Nous tournons après la première pause. Nous remercions pour passer sous acte fidélité. On a démarré avec information pour le palo de match qui était opposé équipe Racing Football Club de Gonaïve à équipe Mirbalé Aïla. Nous avons deux techniciens. C'est image ça. Pas jamais gagné un joueur, un dirigeant. C'est toujours fanatique des fois qui a des problèmes. Et là, il y a un match qui a joué à huis clos. Nous avons un journaliste qui était déplacé. Nous avons son Charlotte Boala. Il y a des fanatiques qui campaient, qui t'ont suivi, mais pas de droit à rentrer. En d'intérêt, M. Ressigny a même essayé d'attaquer. Il y a un coup de tête, nous avons un gardien sorti le repousser. Et là, il y a un contrôle avec un joueur Mirbaléen qui fait passe là. Mais côté Sandinho arrivé. Pour le frapper, le mettre ballon en goal, il mettait lui à côté. Malheureusement, bon, nous habitués à ça, son la fille mec dans zone stade, le capitaine qui ouais comme sous possession bouillant qui gagne pour t'aider pas mal. Il a fait mec a pas de problème. Monsieur Ressigno avec Di Maria, monsieur ça a fait un goal tête chargée. Il courait à tout le monde. Lui dit Jeff brisé front campé. Lui mettait ballon en goal, permettre que Ressigno lui-même lui amène un goal à zéro. Mais il met côté le fessé Jeff brisé à terre et le frapper à pied gauche lui. Pour diable gardien pas de cap fanyen et là Barézi a essayé de contrôler. Barézi essaie d'avancer, il fait passe là, contrôle en fait pour monsieur frapper ballon lui-même gardien de Balkembel. Monsieur Mirbalé dit non, nous capable réagir, nous ca font goal. Yon coup tête, nous est gardien avec difficulté, mais finalement te kembe ballon. Monsieur Mirbalé même il a metté pression, yon centré, gardien sorti, li capté ballon et là yon passe de Barézi. Jules Valcou fait remise là pour Barézi qui contrôle disons mieux c'est Daniel. Daniel Rivel frappe meni. Là, papa. Mon goal extraordinaire, vraiment. Quoi, dégageau. C'est ça. Nous, ouais, j'ai me suis fait dribbler derrière la surface de réparation. Et puis, mettons gros nos pieds. Vraiment, gardien, c'est assister l'assisté ballon qui va le craser dans le canon. Vraiment, un très, très bel goal signé du Racing Football. James Lee, Daniel. C'est ça. On a regardé encore une fois. Nous, gardien, campé. C'est un délai de moment. Il fait king. On va trouver ça là. Et puis, c'est le ballon qui rentre. Il n'a pas foutu rien. Et là, match fini. Moun Racine, yo content. Parce que la victoire, ça, c'est un match d'appui qui permet de qualifier Daniel James Lee, joueur numéro 17. Il fait 17e goal dans le championnat.
pour saison 1 et monsieur ça hier était 17 donc tout monde t'a frappé ou t'es qu'un chance bon pas jamais connaître checker pour 17 pas de sorti mon quatre jours près chance sous bon checker capitaine moi même venir checker capitaine Racine passé Racine gagné et dans stade là c'est Racine qui pourra le faire final contre équipe AS à nous compte toute ma toute discussion que match AS mis en balai et Racine lui-même il était créé week-end écoulé. Donc, coach a décidé de match jouer hier dimanche dans le stade à huis clos. Mais deux équipes sont venues mettre le football dans le jambe. C'est ça. Meilleure équipe l'a passé. C'est ça, il faut que nous disions Racing Football Club de Gonaïve quand même. Fait et quand même, non, Racing là, sonne très fort parce que nous connaissons Racing Club haïtien lui-même, il n'est pas qualifié pour la phase finale là, pour le playoff là, vraiment. Racing Football Club de Gonaïve, depuis quelques temps, qui représentait quand même. Un gros morceau dans le championnat national de première division. Donc, on a dit compliment à monsieur en attendant la grande finale contre une équipe vraiment qui était même à lutter pour ne pas tomber en deuxième division. Voilà, là, c'est en finale face au Racing. Est-ce que Racing Football Club de Gonaïve va gagner une finale face à ASC pour côté le Sotia? Et si ASC arrive à remporter le championnat national ça face au Racing Football Club de Gonaïve, nous sommes capables de dire que Ginadel, c'est vraiment un véritable exploit. Bon oui, et Total, c'est équipe surprise jusqu'à présent. Nous disons bravo à tout le monde, tout le joueur qui était concentré pour ça, qui était joué match ball ça, M. Mirbaleo, qui jouait malheureusement. Et il est tombé. Victoire Racing, ça permet à tout le monde de comprendre que le football, c'est souterrain. Et nous avons souvent dit ça, joueur, il voulait jouer. Mais fanatiques, il y a des fois, il y a des problèmes. Message PAM depuis aujourd'hui jusqu'à ce que final, pour ce final aller, final retour. S'il vous plaît, monde qui prend le match, ba acteur yo chance pour yo jouer, pour capable juger équipe ou pour meilleure équipe la capable passer. Ouais, hier dans stade là, pas d'impression, Racing prouvait que c'est meilleure équipe là, Racing passer sur meilleur balai. Comme ça tout meilleur terrain noir c'est le tap meilleur là, il pouvait lui passer sur Racing. Donc pour quitter joueur yo, yo gen champ libre même pour décider pour faire ça, yo apprendre, yo faire l'entraînement, pour capable ba ou victoire, c'est pas pressurer monde, ba bâton. Bay pression parce que pour le match ball ça on pense c'est encouragé médiocrité que Charles Bendy qui c'est milieu Racing Football Club de Gonaïve dans intervention il dit victoire ça c'est fruit travail dans entraînement et c'était une obligation pour yo te faire victoire pour fanatique yo qui pas de ca suivre match ball là cependant travail là pas fini il y a continuer travail pour suite compétition en suivre vous télé radio Guinée qui c'est grâce à on capable dire qui permet que Simba passe étape finale là. Parce que sans imaginer, nous ne pouvons pas arriver là aujourd'hui pour nous défendre les couleurs de Gonaïve. Et je suis satisfait parce que je suis motivé en plus, je suis travaillé en plus, surtout personnellement, pour me dire que je suis victoire avec un peu de fanatique qui n'a pas de chance pour te déplacer vers les Racines de Gonaïve. Alors aujourd'hui, c'est une motivation énorme qui t'a gagné pour nous gagner le match. Oui, nous sommes motivés en plus. Surtout à l'entraînement, nous motivés, nous disons qu'il faut nager pour le public qui a souffert. Ça passe déjà. On ne peut pas mettre ça dans la main. On travaille parce que nous sommes capables. Et pas nous estimons que c'est Racing de Gonaïve qui est dans le championnat. Nous disons que ça arrête pour nous prouver parce que le stade là 50-50. Ça arrête pour nous faire une victoire. Nous faisons tout ça qui dépend de nous et puis nous jouons une victoire. Alors selon vous-même, c'était une bonne décision. Bon côté coach Afop qui a fait match sans jouer son terrain neutre. Oui, c'est une bonne décision. Et je félicite tout parce que tout le monde a joué. Jouer. Nous pensons on même qu'à constater qu'à répéter encore un gros coup de chapeau pour eux et c'est grâce à eux tout me capable de dire qui permet Racing de Gonaïve une victoire là. Qui est-ce que vous capable espérer de Benji Charles pour finale yo cap gain pour fait. Bon ben c'est Charles Benji gain pour le travail plus et pour faciliter l'équipe lui remporter titre là. Voilà on t'a suivre réaction Charles Benji qui c'est milieu de terrain équipe Racing Football Club de Gonaïve là. Réaction également de David Télémac qui est entraîneur du Racing Football Club de Gonaïve en déclaration il est vraiment félicité Joelio de très bien appliquer ça a été apprendre à l'entraînement la continuer travail pour suite compétition en nous suivre. Merci. Et disons pour le championnat son match on prépare c'est déjà joué match déjà et font travail mental avec joueurs c'est des joueurs qui étaient fanatiques qui régler affaire par eux nous même travail pas annoncé sur le terrain c'est ça que fait nous voir après et depuis et commencement match nous t'ai envie nous montrer nous venir. Et moi, c'est un peu de félicitations pour le joueur parce qu'il a appliqué ça, me dit. Alors, je me dis, c'est demi-temps, une pour chaque équipe. C'est vrai, première période, là, c'était pour AS Mirbalet, mais deuxième période, là, c'était pour Racine. Racine bien maîtrisé, ça qui t'est passé, est-ce que c'était ton choix? Oui, son choix, je me dis, et Racine, et Mirbalet, et on s'est répété en compte, des trois passes, et puis il a fait un long ball. Tu dis, joueur, pour accepter le ballon, mais si on a le ballon, on n'a pas remettre, c'est avec patience. Et pour nous jouer une brèche, c'est ça. Pour nous gagner mes balles, c'est toujours ça. Dans la vie, c'est pour nous gagner mes balles, c'est à l'aile, dans le couloir, c'est ça que fait.
à partir de victoire ça qui ça que capable dire et pour équipe Racing Football Club Bergonaïve qui va jouer double finale là face à AEC. Et toute fanatique football fan Christine, tout fan Christine et à l'instant chauffer équipe avec fair play. M'pas veut des zones, m'pas veut si tel déficit, tel fanatique faut tel bagaille, faut tirer revanche, m'pas remel. C'est avec fair play, c'est ça pour faire changer, pour nous voir image dans l'autre zone yo. Et j'aime comme on a commencé à faire devant FICA, parce que c'est continuer à faire une image positive, parce que pour le football, nous améliorer. Si et chaque terrain a un goût, et puis le Alka a un tel goût, il est tel vinaigre, et le football, c'est ça qui est là, fini. Parce que c'est message là, c'est fair play, un peu le fair play, à chauffer l'équipe, pour payer match, et puis acheter l'équipe, puis bandol l'équipe, et puis pour. Voilà, c'était précision David Télémac qui est entraîneur équipe Racing Football Club de Gonaïve. Vaniel Siré qui est milieu de terrain équipe AS Mirbalan déclaration dit c'est toujours difficile pour le palais après une défaite puisque tu travailles pour gagner, ça arrivait il est tombé c'est football, il souhaitait Racing bonne chance pour suite compétition. On est depuis une défaite pas bien content mais on a toujours une tristesse. Et c'est football, faut gagner, on gagne. Je souhaite que tu gagnes. Bon, ça va arriver, man. Bon, et je me souhaite aussi une bonne chance. Alors, comment tu as un match à l'ensemble? Bon, c'est un bel match par rapport à ça que tu as joué déjà. C'était une expression. C'était un plus bel spectacle tout, par rapport au premier match. Hein. Et toutes les équipes ont répondu. Et on a une bonne équipe qui perd 10 chances pour signer Ligue Bano de Gol Ligue 1. Malgré nous avons raté deux occasions dans le match, nous allons arriver à marquer. Bon. Et ça arrive, nous perdons, mais pas ça nous souhaite. Ça qui arrive, man. Bon, nous démotivé en pile. Nous démotivé le groupe en pile, tout comme des champions, man. Et pas oublier, bon, c'est pas un seul petit. Il est là pour le bail plaisir. Bon, si je dis à l'abandon, je suis en l'autre. L'abandon, l'autre qui travaille pour le jeune. Malgré moi, je travaille pour me jeune tout. Bon, je suis content parce que les gens qui sont jeunes, pas seulement pour me jeune, même des autres jeunes. Et pour la saison qui vient, nous avons assuré nous à 70%, nous allons continuer le championnat. Peut-être nous avons une chance de l'autre côté, tout. Bon, je cherche parce que je suis en train de demain. Bon, message, c'est juste, remets football et bye tout le temps nous dans le football. Et nous avons essayé de côté côtés qui ont gagné depuis le match de football pour la paix. Tout le monde est nio. Et notre temps, on a commencé à jouer au football. Par exemple, on accepte de jouer au football, mais on a tout le monde accepté de jouer au football, mais on a l'entraîné. Bon, si nous avons un petit monde qui aime le football, encouragez le plus pour cela à l'école, pour cela avec le football là, parce que tout le monde a la même chance. Nous devons aller même demain, il vient arriver plus loin que Donald Guerrier. Bon, nous souhaitons pas une bonne chance et puis profiter de faire petit nous jouer au football. Voilà cette réaction, milieu équipe AS Mirbalan, Vaniel Siré. Réaction également de Jean-Claude Josapha, qui est entraîneur AS Mirbalan, dans déclaration ni. Il y a vraiment contre-performance équipe liée à un problème de défense. Cependant, il reconnaît que Racing jouait un très bon football et malgré l'élimination dans les playoffs, là, il était quoi qu'il ait un bilan tout à fait positif pour l'année. On nous suit. Répondre et j'en ai habitué à répondre dans le match de football, dans le match jeudi. Nous avons une faiblesse surtout en défense et pour nous résoudre avec demi-del nous autour. Nous pas jouons un mauvais match. Et c'est vrai, et dans la deuxième mi-temps, nous prenons des goals. Mais dans la première mi-temps, nous sommes plus menaçants. Et deuxième mi-temps, et malheureusement, pendant que nous avons fait jouer, nous avons pris confiance dans le jeu, nous commençons à mettre pieds sous le ballon. Et puis c'est là ça nous prenons faire des erreurs défensives et que nous prenons des goals et que nous ne pas supposés prendre. Alors, quel bilan est capable de tirer de la saison ça? Bon, bilan, c'est un bilan qui est positif pour nous-mêmes. Et parce que c'est un travail qui était très dur et dès le début et pour nous arriver là à côté de Rivea et série d'ouverture là nous fini et dans sixième nous étions dans six équipes et dans série de clôture là encore nous fini premier, ça veut dire que c'est une constance et nous travaillons en pile avec une équipe jeune et tout là dans ces mon ballet. Et c'est Vaniel Siré simplement qui parle de Mibalais, mais son équipe jeune n'a préparé. Et je dis à nous tomber sur une belle équipe qui s'est Racing de Gonaïve. Pour moi-même, c'est une meilleure équipe dans le championnat. Et bon, et c'est la vie continue, c'est à continuer de travailler. Nous, à côté de nos péchés, et son jeune équipe, elle continue de travailler ensemble avec eux. Et puis l'autre année, pour nous, Racing et remporter ce titre-là. Fanatique Sport, on a dit et fair play. Parce que les noirs, les non-match football, je pense que c'est belle passe. Regardez, c'est belle goal. Surtout deuxième goal, Gonaïve là.
qui fait là, c'est bel goal, bel spectacle pour venir garder, c'est pas violence, violence ça va pas mener nous aucun côté. Et bon, c'est faut qu'on gagne fierté l'on a fait victoire, faut qu'on gagne fierté tout, l'on a prendre défaite là tout, c'est ouais qu'on fait défaite là pour continuer le travail, mais c'est pas dans violence pour nous. Voilà, c'était précision Jean-Claude Josapha qui n'est autre que l'entraîneur de l'AS Mirbalet. Bon, ça pour nous souligner, capitaine, c'est que football là lui-même en santé dans nord avec un Artibonite spécialement au Gonaïve. Parce que nous sommes juste l'ouverture là, son équipe au Cap, Real du Cap qui t'est fait là en équipe à l'équipe Racine de Gonaïve là. C'est et ça. Là, Racine encore, Racine aller dans la finale en équipe au Cap qui c'est ASC. C'est ça, et dans la zone sud là, nous avons deux équipes qui étaient représentées vraiment la ville de Kay, tous les deux tombés vraiment en division inférieure. Et dans la zone nord, nous avons équipé ces champions de préférence. Bon, moi je me suis souvent dit que quand il y a grand monde et Kay pas boulé, si on pas double classe, mon au Kay, dégagez nous réponse que n'est pas possible pour une ville gagner deux équipes pour une pas kembe. Et en grande partie, son problème économique qui jetait ni América ni Juventus dans la deuxième division. Est-ce que c'est monde qui pas gain cob dans ville là? Est-ce que c'est dirigeant équipe pas bon ou bien c'est monde qui gain cob qui pas gain volonté? C'est toute question que a pile réponse capable venir avec yo. On nous parler l'autre dossier toujours dans première sortie depuis tantôt 6 ans pour chaque année FC Toro qui gain en tête li comme président directeur général Patrick Bonfil réalisé journée samedi 16 décembre 2017 là dans parc sportif Thomas Saint 6e édition tournoi football inter FC Toro baptisé Intra Squad qui t'est réuni plusieurs catégories au niveau masculin sorti dans plus bas niveau 1 tant coup U7 U9 U11 U13 U15 et U17 qui pendant toute journée t'ap joué entre yo et qui était différencié yo par différentes couleurs à côté U7 vert te gagné U7 orange 3-2 catégorie U9 rouge gagné U9 vert yungol à 0 catégorie U11 orange gagné U11 blanc 3 tirs au but à 0 catégorie U13 vert gagné U13 rouge 3-1 catégorie U15 vert gagné U15 rouge et catégorie U17 gagné U17 rouge gagné U17 vert lui-même 3-2 U17 vert gagné U17 blanc et 3-2 c'est comme ça t'attayé et faut mentionner après chaque finale qui jouait responsable FC Toro t'a profité remettre médaille à chaque équipe championne et vice-championne là c'est U17 là que vous regardez là lui-même équipe qui championne et vice-championne t'a joint médaille c'est tournoi Intra Squad lui-même qui clôturait année 2017 là pour FC Toro c'est comme ça t'attayé dans Thomas 25 côté Timon Lionel FC Toro même yo tab jouer football et pour connaître la même nous suivre youn après l'autre Gianni Valendi qui c'est capitaine U15 FC Toro ak Smeyi lui-même Brice qui c'est capitaine U17 FC Toro là y'a montre si moun yo même qui t'a prend médaille yo t'es content t'a ou j'ai annoncé li en suivre réaction capitaine yo moi vraiment content m'en vie féliciter partenaire yo et m'en vie féliciter onèg les Olivier Sacha onèg ça vraiment bien joué et à tout coéquipier yo compétition ça son belle bagaille pour évaluer tout jeune yo football là c'est ensemble me fait à football là premier choix moi c'est Haïti deuxième choix moi c'est Italie sélection italienne. L'école là font toujours passer en premier. L'école là sont bail sérieux mais football là sont l'autre bail qui amène au pile loin toujours. Modèle moi c'est Pogba Pirlo. Pour arriver là faut me travailler sur physiquement toute bagaille ça et puis travailler plus. FC Toro sont belle équipe, m'espérer que nous aller plus loin avec elle et que FC Toro ka plus bon toujours. Nous sommes très fiers et très contents de ça qui a réalisé ensemble avec nous. Et c'est un très bon championnat et tu as un challenge. Finale là, tu es dur un peu parce que nous et un moment, match a été 2-2 et qu'on a nous battu 3-2, match a été difficile. Moi fier de ça me réaliser et moi c'est bon jeu. On a créé une sorte de familiarisation. Nous apprenons jouer nous-mêmes, nous garder qui ça nous cabaille et entre nous-mêmes. Son bon challenge. Moi merci et monsieur Patrick pour ça la faire. Gain pile bagage, gain challenge là et gain esprit d'équipe là tout. Moi mais ça en pile
et gagnant qui sont encore, je l'ai dit. Et c'est bon, victoire. Moi-même, victoire en pile. Moi-même, l'équipe est content de ça, réaliser de ton travail bien fait. Ton coup, Casemiro, joue pour et progresser dans Real Madrid. Exactement pour lever figuier sélection. Ça, c'était rêve et tout depuis que j'ai commencé à jouer au football. Très bien fait. Il m'a donné plus de sacrifices, mais m'arrive à faire quand même. Et avec l'aide des parents et l'aide de bon Dieu. Voilà, tu as suivi la réaction. Gianni Valendix, c'est capitaine U15 FC Toro, Aksemi M.Bainz, qui c'est capitaine U17 FC Toro. Réaction également de Jérôme Velfer, qui est directeur technique FC Toro. Dans la déclaration, il dit c'est avec vraiment un sentiment du devoir accompli que a vive moment ça dans FC Toro, qui selon lui-même déjà créé une sorte de challenge dans mi-temps jeune footballeur. Pendant qu'il était profité, félicité, joyeux, qui était bail, le meilleur de eux-mêmes. Question collective, tous les parents présents au fil de la journée ont eu la satisfaction de voir leur enfant évoluer dans un contexte agréable. Donc c'est vraiment très satisfaisant pour l'académie. Cette journée marathon, comme vous dites, ça s'appelle l'intersquad, c'est-à-dire que ça nous permet de créer des équipes à l'intérieur de l'académie, il y a plus de 300 enfants, et de permettre à chaque enfant qui habituellement s'entraînent dans des niveaux différents, c'est-à-dire qu'il y a des groupes élites, des groupes plus avancés, plus ou moins avancés. On permet à tout le monde de participer à ce tournoi en mélangeant dans les équipes des joueurs de niveaux différents. Et ça nous permet, nous, en fait, de voir l'évolution de chacun. Est-ce que chacun aussi doit encore faire comme effort pour se hisser au niveau des meilleurs? Et c'est important de le faire une à deux fois par an. Bien sûr, parce que le groupe élite des U11, des U13, des U15, des U17, ils existent déjà au sein du quotidien de l'académie chaque semaine. Sauf que depuis deux semaines, on a mélangé tout le monde. Vous comprenez? Donc ils existent réellement, oui, effectivement. L'intersquad existait avant mon arrivée. On a simplement développé une psychologie différente. Un grand merci à eux de nous faire confiance dans l'apprentissage du football pour leurs enfants. Merci à eux. Un grand merci tout simplement parce qu'ils ont tout donné. C'est important. Il y a eu des pleurs, il y a eu des sourires, de la joie. Ça fait partie de l'apprentissage du football. Il faut apprendre à perdre des matchs. Les pleurs sont nécessaires, même dans les yeux des enfants de 11, 12, 13 ans. Les parents les accompagnent, mais c'était une journée vraiment très agréable. Voilà, nous avons suivi la réaction justement de Jérôme Velfer, qui est directeur technique FC Toro. Patrick Bonfil, qui est président directeur école de football FC Toro. Dans la déclaration, on a remercié tout le monde qui a contribué pour journée ça, qui était capable, possible, et annoncé que c'était dernière activité pour l'année 2017. Là. Nous faisons même mouvement là et donc c'est dans l'esprit ça, c'est dans l'esprit que son mot que me répétait souvent, c'est dans l'esprit de célébration, ouais. Donc on a célébré diversité, culture, football, jeunesse et puis c'est nous mêmes qui mettons ensemble pour que nous faisons promotion ça au Kawé, l'OF, c'est Toro, Kawé, c'est Timoun qui sorti. Et vraiment et de milieux variés, différents, qui fait youn sur un terrain football, qui fait youn en tant que famille et qui fait youn dans la communauté. Donc c'est ça lié. Et dans l'époque fait ça, l'important pour que nous continuions à partager ça. Donc c'est toujours dans l'esprit de service que nous célébrons ce moment ça. Dernière activité, on a pu prendre le 8 janvier. Donc on a rentré dans une période de voyage, nous voilà Orlando comme nous qu'on habitué faire et nous censés partir avec la plus grande délégation et à date et m'espérer tout avec expérience avec organisation que nous voilà démontrer tout ça tout et puis donc c'est ça donc mais pour le moment nous souhaitons tout le monde joyeuse fête et merci beaucoup pour tout le support yo. Donc voilà et puis moi merci nous tout moment de gloire là n'a toujours n'a toujours remettre à grand mettre là ouais ça est très important OK mais à part de ça j'aime dire là le que nous le ça dans cœur nous l'on comprenne ni l'on partager eh ben nous répéter même moi encore nous célébrer l'ensemble donc gloire à ces célébrations et tout ça me saute dire là FC Toro marcher sous yo et puis that's it toujours n'a continuer travail c'est nous pas jamais qu'à pour moi même humblement arrivé sans qu'on ne pas investi dans la jeunesse là. Voilà, tu as suivi la réaction président directeur école de football FC Toro Patrick Bonfil. L'autre point d'actualité à toujours sur plan local, un comité interscolaire de basketball amateur CIBA qui est présidé par Emmanuel Bonfil de concert
avec la Fédération haïtienne de basketball grâce à un support directeur général de la police nationale d'Haïti, M. Michel Ange Gédéon, et sous direction instructeur international américain George Quinlan, et clôturé jeudi samedi 16 décembre 2017 là, dans le centre de formation classique CFC Babiol, toujours deux journées de basketball pour plus passer 70 jeunes basketteurs amateurs haïtiens, filles et garçons. Pendant la cérémonie de clôture, là, responsable a été profité et vraiment remettre plusieurs cadeaux avec différents participants, tant que ballon basket, j'en ai regardé là, tant que maillot, pour ne citer ça seulement, et pour te clôturer quand responsable te fait réaliser une conférence pour la presse, justement pour parler de formation hein, qui a duré deux jours. Là, pour qu'on y a, nous allons l'inviter à suivre vraiment intervention instructeur international américain George Quinlan autour de formation. On nous suit. At my first visit to Haiti, I've been here approximately 20 times through my previous work experience. This is my first time to travel here in a basketball-related capacity, and I have been extremely impressed, as has my wife, Madame Sylvie, who's sitting over here, by the level of ability and the talent exhibited by the young men and women who have participated in the SIBA clinic. C'est pas la première fois que je viens à Haïti, je viens plus que 20 fois déjà dans différents domaines. Et c'est la première fois que le mini Lombard qui a un rapport avec le basketball. Il vient avec Madame Sylvie qui est à côté là. Ils ont vraiment impressionné par le niveau talent et l'intensité qu'il y a au niveau basket haïtien. I am extremely pleased and satisfied with the ability and the level of talent here among the young people. Très satisfait de Saloua et de niveau talent que vous constatez au niveau jeunesse là. There's tremendous potential here. It's a question of developing the talent here among both young men and women so that they can become the players of tomorrow for your respective men's and women's national teams. On y passe pas un programme de développement pour jeunes garçons et jeunes filles pour que nous capter talent ça, utiliser talent ça au maximum. And clearly the youth of Haiti of Haiti now have role models in the NBA to follow. Et déjà il est évident que jeunes haïtiens reconnaissent gain de modèle dans NBA de talent tapis aux États-Unis, donc Haïti nous a comme modèle, donc nous sûr que basketball va avancer. Haiti has had many many players in the United States and in the NCAA at the university level and in the NBA, and now we need the first women's player in the WNBA from Haiti. Que Haïti gagne un pile joueur tapis volé au niveau NCAA, au niveau high school et au niveau NBA, bon, surtout au niveau masculin. On a espéré que très bientôt, bon jeune fille, là, au niveau WNBA. My message to the public is please support the nation here, both here domestically, inside the country, and abroad with the Haitian diaspora. And I certainly hope that major corporations and the Haitian government can provide financial funding for your teams here. And those players who have become very successful in overseas in Europe and in Canada and the United States, I hope they too can contribute financially to the success of your federation here. Bon, il s'agit c'est invitation à public là, à gouvernement avec toute compagnie privée, secteur privé tout pour que aider supporter basketball t'a fait non seulement au niveau local en Haïti, mais également jouer t'a évolué dans des pays en Canada, en Europe, États-Unis pour que nous ca continuer avec programme basketball pour Haïti, basketball haïtien en chance. Monsieur Emmanuel Bonfi from SIBA for inviting us here to use this beautiful facility to host this camp. I'd also like to thank the basketball, the Haitian Federation of Basketball for having us here. And finally, I would like to thank the PNH and Director General Michel Ange Gédéon who made this clinic happen. And my wife and I are here because of his outstanding support and friendship. Merci spécialement Emmanuel Bonfil avec SIBA qui a invité et nous organiser comme ça, dans le cadre de ça. Il a un cadre agréable, il a un bon terrain de basketball dans le pays. Je remercie toute la Fédération haïtienne de basketball qui a été supporté le programme là, et particulièrement le directeur général PNH, M. Michel Gédéon, qui a aidé à l'organisation de ça. Madame Niaekli, et lui-même, est très content et apprécié tout que tu es et tu viens te visiter en Haïti et aider le basketball. Voilà, c'était intervention instructeur international américain George Quinlan qui était traduit justement par une membre de la Fédération haïtienne de basketball, là, M. Jason.
Emmanuel Bonnefille, qui est président SIBA, en déclaration, remercie tout le monde qui, de façon payo, a contribué pour réussite formation. Il dit qu'il est entièrement satisfait pendant les retours à continuer l'année prochaine. C'est une grande réussite parce que dans l'ensemble, on a fixé 50 timons, 20 filles et avec 30 garçons. Et premier jour, on est arrivé à 67. Aujourd'hui, on a débordé. Nous avons plus de 78 timons qui participent entre filles et garçons. Nous avons dit son réussite totale capitale, ça parlait de basket là. Et nous avons au moins 18 jeux de sélection entre filles et garçons qui participent dans le cancer. Et nous-mêmes, bon, son grande première, Jean-Coach l'a dit là lui-même, nous avons souhaité et chaque année nous jouer, mettre les jeunes Yolambéens et inciter aux jeux plus de basketball. Et surtout, nous avons demandé aide de l'État, l'État haïtien, Jean-Coach l'a demandé là, secteur privé. Nous avons mis deux sélections là pendant plus de 7 mois pour nous voir à Jean-Nas aux Bahamas, pour dans la République dominicaine. Et nous avons l'intention de faire contact pour nous si nous avons joué une équipe États-Unis qui joue avec nous. Ce n'est pas on met ça à faire. Ça n'a pas demandé un pile de bourse, ça n'a pas demandé un pile d'argent. Nous voulons mettre ça là-bas, ministre des Sports. Et surtout, DG, Mario Florville, qui a dit publiquement que le ministre a un fonds pour supporter l'association, supporter la fédération. Et le fonds, ça a été vraiment. Nous commençons à jouer en janvier pour nous déraper vraiment avec la sélection. Quand vient Boton Plus pour nous, ils viennent mettre des gens plus dans le bain, ils viennent plus vraiment sentir et ils sont prêts pour venir faire partie de la sélection SIBA. Sélection SIBA, les jeunes qui peuvent faire partie de la sélection SIBA, c'est des jeunes vraiment qui ont 4-5 ans pour venir dans SIBA, depuis la minime, qui passent cadet, qui passent junior, et son sélection U19. Et je pense vraiment, nous parlons à point, Jean Defel, en 25 ans SIBA, dans la République dominicaine, nous battons deux matchs, et nous avons fait deux villes provinces, nous battons. Et année, ça, nous avons pour aller au Cap, nous avons pour aller au CAI, nous avons pour aller au CAI, au Cap, nous avons pour aller au GAI. Ville professionnelle, nous allons faire avec sélection. Après, nous avons une invitation déjà à la République dominicaine, visite de CIPROC. Et nous avons une nation Bahamas en mois d'avril. Nous avons souhaité vraiment le mois de mai. Et si nous avons une invitation, au soir, nous avons une équipe pour venir clôturer vraiment 30 ans CIBA, parce que c'est 30 ans, ce n'est pas 30 jours. Nous allons quitter le passé inaperçu. Et n'a pas encore remercié le staff CIBA qui travaille avec nous. Depuis le début, depuis le lancement, et nous avons équipé ça avec nous là tout. Tout le monde qui travaille et non sens pour voir le basketball la montée. Et après, c'est la presse, tout presse par les télévisés télévisée, qui vraiment kembe avec nous depuis plusieurs années. Voilà, suivre réaction, président CIBA, Emmanuel Bonnefille. Réaction également de Jason Valboin, qui est directeur technique national Fédération haïtienne de basketball. Dans la déclaration, il vraiment salué l'initiative SIBA qui, selon lui-même, envisageait à aider sport à progresser énormément et surtout au niveau de basketball haïtien. On nous suit. Madame Pile Connaissance. Donc là, je ne vous dis pas que Georges, qui a autant d'expérience, une bataille à avoir, c'est déjà un gros bagage. Basketball haïtien, il a souffert depuis quelques temps sur le niveau fondamental, sur le niveau basique. Je ne vais pas parler de basket, je ne vais pas parler de fondamentaux. Je vais regarder dans le dernier temps, je vais regarder basket, puis il faut que je joue, il y a des problèmes de shooter, puis il y a des problèmes de dribbler, puis il y a des problèmes de passer au ballon en temps réel. Donc, quand nous retournons à la base, si c'est 14 à 18 ans que nous prenons, la base a plus d'expérience, c'est apprendre de meilleur pour que vous même tout, vous puissiez profiter de l'expérience et que vous puissiez appliquer le niveau basket, vous jouer le niveau scolaire, le niveau et deuxième division, et puis devant le niveau première division. Je pense que tout joueur ça a eu, il est prêt à partager l'expérience que tu as gagné avec et joueurs pareils, qui étaient la même équipe avec eux pour qu'ils avancent. Et fédération ça a tiré de ça surtout, c'est le fait que le curriculum parle, nous avons un groupe de gens qui ont commencé à répertorier et à chaque temps, il y a une formation comme ça, il peut identifier deux joueurs qui ont un talent et le sort commencer à entrer les joueurs sur la base de données pour que chaque temps fait ce talent, vous voulez renforcer, vous voulez confirmer les joueurs sur un talent, pour qu'après le meilleur joueur ça a été mis là, ça a les rosters dans le premier groupe là. Pour que nous commençons à faire de pré-sélection. Là, actuellement, on travaille à différents niveaux. Nous avons 17-21 ans travaillé avec eux. Nous avons sélection nationale, c'est monté avec eux. Nous avons sélection mesdames. Yo. Donc, ça peut nous avancer beaucoup plus. Et je pense que très bientôt, on a pris ces résultats parce que Kounian, ce qui est certain, c'est que le basketball haïtien, là, tourne sous quatre mondiales. Là. Et en d'un pays, en dépit du fait que nous avons des problèmes de ressources financières, mais la fédération, ça, elle a fait ça qu'on est jeune capable. Pour que le basketball la joue. Nous espérons tout que puis devant, de coach Rouge Georges les rentre en Haïti, il y a quelque chose pour faire non seulement ça avec SIBA, mais avec de l'autre ligue professionnelle, surtout pour qu'une capote connaisse ça au niveau professionnel. Parce que l'objectif c'est de faire que le basketball la joue même côté, même genre. Dans le cadre du programme de talent que nous avons, ça va faire dans le centre olympique. Chaque temps, coach vient après que vous allez sur fondamentaux.
clair, c'est qui s'allie, c'est comment passer le ballon, comment dribbler, comment déplacer et peut-être organiser un jeu de structuré. Je pense que là, ça a été fait là, hier avec Jodiao, son retour à la source liée et il veut dire qui ça. Nous-mêmes, au niveau biofédéral, il faut que le programme national l'a écrit pour nous retourner vers la base, vers la source et commencer à aider les coachs surtout. Comprennent cette affaire là et mettre le même niveau. Donc c'est ça que moi pense que il semble qui était important pour nous que d'avancer et nous il est important nous que journalistes et télévision qui l'a filmé et entraînement ça pour que nous même nous ca utiliser cap et matrix ça cette ça pour que nous ca distribuer à deux coachs pour que nous même tout ca apprendre à la base et ca continuer avec développement programme ça. Donc c'est dans ça que moi c'est son bail qui était important pour nous espérer j'en dire que n'a pas une nouvelle expérience sur toute longueur de l'année. Fédération lui même pour continuer l'année étape venir faire en pile formation pour coacher parce que le temps pour que nous augmenter niveau connaissance coacho et qu'on se travaille sur certification qui gagne pour coacher en parlant de qui niveau coacho à pied et qui catégorie. Voilà cette réaction, directeur technique national Fédération haïtienne de basketball, Jason Valbouin. C'est point ça en pilote que nous avons développé. Nous remercions pour passer sous avec attention pour te servir. On va pouvoir commenter avec Captain Bill. Captain, merci. Merci également, Hina Endel. On vous remercie merci à tous les amis sportifs qui te prennent soin pour te suivre. Première sortie, émission de l'investisseur des stades pour ce matin. Nous vous invitons à te suivre, Guinée Poursuite. Programme à son bail tout le monde. À la prochaine.